Minasan konbanwa daisobu desu ka, c'est notre BDR. Aujourd'hui on se retrouve pour la réaction au gameplay de Tanjiro Hinokami Kagura. Donc, pour ce gameplay, j'attends, mais j'y suis impatient, j'ai le gameplay juste sous les yeux là comme toujours. J'ai hâte de voir le Hinokami Kagura Henbu, le Hinokami Kagura, pardon, Heikira no Ten, l'attaque contre Rui et encore d'autres mouvements qu'il aura sûrement, je verrai. En tout cas, c'est obligé qu'il y en aura venant de l'animé. En tout cas, juste pour vous montrer, j'ai donc un nouveau téléphone sur lequel je ferai le gameplay de My Hero Academia, The Strongest Hero, Genshin Impact et peut-être Honkai Impact. Je verrai en tout cas quel jeu je pourrais installer là-dessus. Donc c'est parti pour la réaction du gameplay. Je vous le mets juste là, comme d'habitude. 3, 2, 1, c'est parti. Oh purée, j'ai trop hâte. J'avais trop hâte. Kamado Tanjiro Hinokami, c'est écrit. Rengoku. Attention. Ah ouais. Wow. Oh, yes. Punaise, oh c'est incroyable. Oh, je me suis fait trop l'embouter dans ce gameplay là. Ah, oh, c'était le moment pur Heikira no Ten. Ah, le troll, ils nous ont bien eu. Ah non, faut que j'en mette le passage. Attendez, je vous remets ça tout de suite. Ah, ils nous ont troll. Ah non, parce que le mouvement qu'il fait là quand il sort des flammes, c'était l'attaque contre Rui. Ah, ils nous ont troll. Oh, bravo, CC2, bravo, bravo, non. Franchement, ce gameplay, il est incroyable. Pour l'instant, on a vu que, bon, deux mouvements de l'anime, en tout cas, puisque ils ne veulent pas trop spoil la saison 2, puisqu'elle n'est pas encore en production. Donc, voilà, pour ce gameplay, on voit bien que Tanjiro a toute son épée, il maîtrise le souffle du soleil, ou la danse dieu du feu, comme vous voulez. De toute façon, on peut dans les deux noms, c'est la même chose. Et, waouh, il est trop stylé. Je sais pas quoi dire. C'est trop stylé. Le Heikira no Ten là, c'est magnifique. Par contre, je préfère encore l'animation qu'ils ont fait dans le film. Franchement, elle est largement meilleure. Mais en tout cas, voilà. C'est pas vraiment grand chose, même si c'est déjà ça. En tout cas, j'aime beaucoup son gameplay. Je pense que je vais le main dans ce jeu. En tout cas, pour l'instant, dans ce jeu là, j'ai 3 ou 4 main. Ouais, j'en ai 4. J'ai Tomioka. Tanjiro Hinokami maintenant, Rengoku et soit Zenitsu ou bien Shinobu pour l'instant, en tout cas voilà. Donc comme je l'avais dit, je m'attendais à un démon pour le prochain gameplay de Hinokami, non, oui, Hinokami Keputan. Mais peut-être que le prochain en tout cas sera un démon, mais si c'est un peu fondant le prochain, je serais vraiment vraiment étonné. Je ne sais pas qui, mais c'est fort probable qu'après Tanjiro Hinokami, puisque à ma connaissance, enfin non, il n'y a pas d'autre profondeur que l'on voit avec un deuxième souffle, ou voilà, c'est tout quoi. Comme pour Hirokodaki, on s'y attendait pas du tout, pourtant voilà. Mais en tout cas, je serais bien surpris de voir le prochain personnage jouable qui seront ajoutés dans le jeu. Bref, en tout cas, ce sera toute cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Sort de dehors. Ciao tout le monde. Jarnet.